Bonjour Mélissa. Allô Catherine Beauchamp. Hey, on est déjà rendu à la troisième saison de Rupture. Ça a passé comme vite comme ça. Incroyable, hein? Maître Jean-Luc Devrise, hué lors du gala Avocat Mirtan. Il était à peu près temps. Raconte-moi un peu la courbe narrative de où est rendue Ariane dans sa vie, dans la vie du personnage. Ah, mon Dieu, troisième saison. OK, ouais. Donc on finit deuxième saison. Ariane dénonce, dit qu'elle s'est fait violer, décide de pas en parler trop, mais prend sa revanche silencieusement. Et après, Ariane va comme se concentrer complètement sur son cabinet, essayer de reprendre Claude. Ça va être une histoire d'amour et haine entre les deux. Ils vont essayer de rebâtir leur amitié à travers la job. Ça marchera pas. Mais l'important dans sa vie, c'est de défendre des gens. Fait qu'elle est encore là. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, sa vie, mais on va avoir des cas un peu plus dramatiques cette année. Puis là, vous allez me dire, ben voyons, ça peut être plus dramatique? Ben quand même. Et c'est ce qui était intéressant et fascinant, c'est que ça se colle vraiment à la réalité de ces jours-ci. Bien, première des choses, le cas de Jean-Luc Devrie qui a fait de l'abus de pouvoir, des agressions sexuelles, on est vraiment ancré dans l'actualité. Ça veut dire qu'il monte un dossier contre toi. Ils ont trouvé leur bouc émissaire pour montrer qu'ils prennent ça au sérieux, le harcèlement sexuel. Là, c'est une question de temps avant qu'ils t'arrêtent. Oui, et sans le vouloir, ça a été écrit il y a un an. On a tourné ça cet été. Je pense que c'est un sujet qui est existant. Puis tant mieux si on en parle. Je me souviens qu'au départ, Rupture, on parlait beaucoup des femmes. Tu sais que c'était des personnages incroyables. Est-ce que tu trouves qu'après la troisième saison, on en est encore là? Ce que j'aime, c'est que c'est pas des femmes parfaites. C'est des femmes dans leur entièreté, en fait, comme la vérité, là, comme ce qu'on est pour vrai. Puis le trip de femmes est très fort sur Rupture. Et comment, toi, tu te déploies? Là? Où est-ce qu'on retrouve Mélissa dans le personnage d'Ariane? Il doit y avoir des parties de toi qui teintent le personnage? Oh mon Dieu, c'est tellement dur parce que je travaille vraiment fort pour pas être trop émotive. J'ai des scènes très émotives. Il y a des enfants qui pleurent. Dans la première émission, il y a Yann Inglin qui m'explique comment il aime sa fille. J'étais pas capable de la tourner. Fait que c'est là où Mélissa prend le dessus quand je deviens émotive. T'sais. Puis moi, ça c'est pas comme deux larmes, là, c'est comme 10 000. Fait que je me concentre beaucoup parce qu'Ariane n'est pas comme ça. Elle est habituée de gérer ce genre de cas-là. OK, est-ce que tu as des mécanismes de défense? Qu'est-ce que tu fais pour justement arrêter? Tu peux pas pleurer en plein milieu d'un plateau comme ça? Parce que je fais. Ouais. Mais c'est vraiment dans les scènes. Hein? Sinon, entre les scènes, on a beaucoup de plaisir. Mais c'est dans la scène, là, je me laisse emporter. J'essaie de pas trop regarder dans les yeux. Je fais, ah, OK, là, j'ai trop d'émotions. Fait que j'essaie de déconnecter un peu. C'est ça, mon truc. Bien, merci beaucoup, Mélissa. On a très hâte de voir la saison 3 de Rupture. Bien, merci. Soyez là. Sérieux, les boys? On se connaît depuis 30 ans. Puis vous lui faites confiance à elle?